Mais salutations à toutes et à tous les petits amis, c'est Psycho et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12. C'est bien l'épisode 12. C'est bien l'épisode 12 de How to Survive. Donc on continue pile poil là où on s'était laissé. Hein. Donc elle me demandait d'aller voir la vieille femme. Vous savez la tarée avec son chat en plume. Et bien voilà, donc allons-y, c'est parti. On va aller trouver la mademoiselle pas très nette avec son chat en plume. Et... c'est parti. Bon, un bout de tissu, encore un bout de tissu, c'est bien, encore un bout de tissu. C'est bien. Hop là. Alors, qu'est-ce donc des racines de manioc? Je vais les prendre. Les ou là? Non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Comme ça. Et ce sont les racines que j'avais tout à l'heure. Donc, manger, manger. Voilà, c'est bien. Je vais les lâcher, je vais les laisser ici en fait. Comme ça, si besoin, eh ben, j'ai des racines qui traînent comme ça et c'est pas mal. Tu puis-je jeter? Encore une fois, c'est un grand dilemme. C'est un grand dilemme. Oh, mais j'ai une méga tronçonneuse et j'ai encore un jerrycan. C'est bon ça. Ça, c'est bon ça. J'ai encore des cocktails. J'ai encore ça, donc c'est très bien. Donc, ouais, là, je risque pas de manquer l'explosif dans les. Alors, j'en ai 3 plus 2 plus 3. Donc, j'en ai 8. C'est cool. Ouais, je tape encore sur le meuble. C'est génial. Donc, voilà. Alors, améliore votre temps de visée. Augmente les dégâts infligés. Flèche perforante. Très bien, c'est très bien. On verra ça après. On verra ça après. Donc. Du coup, mon pistolet mitrailleur ne m'est plus vraiment utile, j'ai envie de dire. Bon, bref, on verra bien, c'est un peu important, on verra bien. Qu'est-ce que je peux jeter? Qu'est-ce que je peux jeter? Bah, finalement, les endives ne me servent plus à rien. Non, mais il y en a deux, là, c'est pas possible. Allez, ça. Non, viande fraîche, voilà. Ça, je jette la plume et je ramasse les flèches. Voilà, donc la femme est à ma droite. Hein. Oui, elle est à ma droite, c'est parfait. Je peux même d'ailleurs cuire la viande tout de suite. Ah oui, mais long tube. cuire. Hop, cuire. Hop, voilà, et cette fois-ci je balancerai pas n'importe où. C'est un peu dommage. Alors, bonjour, je vous connais? Oui, je vous connais, le sauveur d'Enzo. Bon retour, héros. Genre. Ok, 500 points d'expérience pour l'avoir trouvé. Maintenant, je vais lui parler. Super. Alors, vous êtes à la recherche d'un pilote. Ma mémoire me trahit trop souvent, mais avec Enzo, je vais peut-être m'en souvenir. Je connais un pilote, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est venu ici une fois. Je croyais qu'il allait revenir, mais c'est aussi bien qu'il ne vienne pas. D'accord? Il vit dans les collines du côté ouest de l'île, mais faites attention, sauveur de chats, cet homme est fou. Il est étrange, très étrange, il a de nombreux problèmes, des problèmes de boisson, super. Il est fou et ivre. Il a barricadé tous les chemins qui mènent à son camp, pourquoi je ne sais pas. Peut-être parce qu'il est dingue, d'accord? Si c'est une folle qui dit ça, ça promet. Si vous êtes sûr de vouloir le trouver, vous devriez trouver un moyen de vous débarrasser de ces barricades. Bonne chance, mon minou et moi, vous serons toujours reconnaissants. D'accord. Donc. C'est bon, j'ai compris. Je. Ok. Ah, voilà. Ok. Donc. Ah, mais c'est pas le type du début, là. Et tu ne m'impressionnes pas. C'est quoi, ça? Ce sont des plumes? Ça, ce sont des plumes. On en ramasse une. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super. Allez, boum. Donc, viande fraîche. Hop, viande fraîche, viande fraîche. Ouais, il fait bronzette, l'autre, là. Tranquille. Oh, un craft. Molotov attractif. Mais j'ai déjà vu ça, non? Bon. Je ne sais pas. En tout cas, il me reste pas grand chose hein, de pas encore découvert, j'ai envie de dire. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il m'en reste quand même 11.
quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je crois que je ne les trouverai pas tous, je pense, parce que ça fait quand même beaucoup. Hein. Par contre, niveau bouffe, là, je commence à être vraiment bien. Avec 20 viandes cuites. Alors, est-ce que je dois passer? Non, je dois passer par là. Oui. Hop là. Dégage. 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 Dégage aussi. Les munitions. On ne crache pas sur les munitions. Des munitions. Ah non, l'inventaire est plein, donc là on peut cracher dessus. Alors, bah on va monter, hein. Oula, 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 dégage. Là. Ah bah, voilà, sans même le faire exprès, je l'ai eu. Dégage. Hop là. Et yes, j'en ai eu deux. Je sais pas si vous l'avez vu, mais l'autre là au bout est mort. Alors, allumé. Ça ne sera pas de trop si jamais la nuit tombe. Jambière protectrice renforcée. Ah, sympa ça. Sympa, sympa. Est-ce que j'ai une sangle? Oui, j'ai une lanière de cuir ici. C'est bien. Alors ça, j'en ai pas besoin. Non, plante blanche spéciale. Je m'en fiche. Casque. Non. Gilet pare-balles de base, hein, je suppose. Oui, gilet pare-balles de base. D'accord, je vais monter. Pas eu moyen. Ah bah je l'ai eu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un truc jaune là? Non, ce n'est rien du tout. D'accord. Je vais monter par sécurité. Ah, garde-boue en carbone, c'est bon ça. J'avais la possibilité de faire quelque chose avec des garde-boue, mais je ne sais plus quoi. Je vais voir ça tout de suite. Non, c'était là. Hop là, guide de survie. Je pense que c'était dans les armes. Hop, non. C'était quoi ça? Hache simple. Oh, je n'ai même pas fait la hache. Voilà, c'était ça. Arc en carbone. Est-ce que... L'arc en carbone. Arc amélioré. Ah, je peux me faire une arbalète. Si je combine ça à la poignée. Ouais. Ça serait pas mal. Je vais non, ça va attirer les zombies, ça. Je vais déposer ça. Et je vais déposer ça. Je vais démonter ça. Oh, mais il y a presque pas besoin, en fait. Donc, je vais le combiner à l'arc. Je peux pas. Eh hey, oh. L'inventaire est plein. Oui, oui, ça va. Ça va, ça va, c'est bon, on dit, oh. Voilà, regarde, mais monté, hop là. Donc, ah oui, d'accord. Combiner. Ah, ça, ça me fait un arc. Donc, je peux le combiner. Non, je peux pas le combiner. D'accord. Et je peux pas combiner le. Et c'est ce que je viens de voir, non? Je suis pas fou quand même. Arme. Arbalète en bois. Parle bien du même truc. C'était donc c'est arbalète en bois, c'est un pistolet de harpon. Compétence requise. D'accord. Voilà pourquoi je peux pas. Ok. Du coup c'est plus logique. Donc je vais ramasser tous mes machins. Je peux pas. Je peux pas ramasser le tube court. Maintenant est-ce que c'est grave? Je sais pas. Est-ce que j'ai un point de compétence? Non. C'est quelle compétence dont j'ai besoin? J'ai besoin de quoi moi comme compétence, punaise? C'est du foutage de gueule ça? C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, les petits amis, moi je vous le dis. Bon.
Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a un feu juste ici en dessous. Donc, je vais faire cuire la viande. Comme ça, ça me fera un slot de libre. Et on verra ça après. Je vais récupérer mon tube court. Pour refaire le revolver au cas où. Et j'ai encore les garde-boue, punaise. Ok, c'est bon, j'en ai marre. Donc, je vais refaire mon arme dans un premier temps. C'était ça. Hop. Avec la musique et tout. Ça, c'est pour faire. Ouais, c'est pour faire un fusil à pompe. Ça, c'est pour faire le semi-automatique. Paf. Donc, pistolet mitrailleur automatique. Voilà. Et. Ça, j'ai plus de slot libre. Dégage. Et boum. Et boum. Voilà. Pourquoi ils vont par là, eux? J'ai besoin de dormir, je suis à combien? 49%, ça va, c'est tranquille. Donc ils viennent par là, je présume. Ouais. Dégage. Oh là, oh là, oh là, on se calme. Alors, des balles, c'est très bien. La barre en fer, je m'en tamponne l'oreille. Je m'en fous, je m'en fous. Voilà. Alors, j'ai la... Dégage. Hein. Dégage aussi. Hop là. Mitrailleuse lourde artisanale. Mitrailleuse lourde. Pas mal ça quand même. Il y a de quoi faire. Alors, lunettes cassées, non. Dégage. Et boum, ça faisait longtemps, tiens. Non, 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 je crois pas, non. Eh, 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 eh. Casque de soldat, je m'en fous. Alors, les lunettes, mais pff, les lunettes ne serviront à rien, j'ai vraiment l'impression. Jerrycan vide. Est-ce que ça me sera encore utile? Je ne sais pas, mais en tout cas, comme je suis... Ouais, mais je suis en train de... Ah ouais, c'est mignon. Mais j'ai plus de bouteilles, moi, du coup. Vu que j'explose toutes mes bouteilles. C'est logique. C'est logique. Bon, je crois que j'ai plus besoin de viande pour l'instant. Je vais arrêter de chasser. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Poulie. Bon, je m'en fiche. Complètement. Non, 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 non. Voilà. Le bâton, je m'en fous. Toi, tu dégages. Ok, t'es discret quand tu bois, c'est cool. Dégagez, vous. Et allez, boum! Trois d'un coup. Dégage. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Chat en or. Ok. Et si je prends le chat en or et que je le donne à la vieille folle, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, ça serait pas mal. Garde-boue en carbone. Donc, je pouvais en faire. Qu'est-ce que je pouvais faire des garde-boue en carbone, moi déjà? Parce que je ne sais plus, moi du coup, je fais tellement de trucs à la fois que. Je ne sais plus. Garde-boue en carbone. Alors. Je sais pas pourquoi les autres ne peuvent pas utiliser le molotov attractif, mais bon, c'est pas grave. Alors, garde-boue en carbone. Ah, sympa. Y a pas? Ah si, voilà. Arc en carbone. Ah ouais, mais je m'en fous, ça. Bon, non, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Alors, hop. Je peux combiner? Avec quoi? Avec ça? Ah ouais, pour faire... Putain, mais je viens de le voir, quoi. Sérieux. Hop là. Y a rien d'autre. Hein. C'est mort. Oui, je pars un peu dans tous les sens alors que j'aurais très bien pu me limiter à la quête, mais non. J'ai pas envie.
Non, pas chasser, ça sert à rien. Oh, salut toi. Au revoir toi. Oula. Oula oula, je vais retourner près d'un feu moi. Sinon, ça va être ma fête. J'aurais dû faire attention, c'est de ma faute. C'est de ma très grande faute, je suis dans la merde. Des munitions, tant qu'on y est. Qu'est-ce qu'il me donne? Bâton, m'intéresse pas. Des munitions. Ah bah je vais aller trouver le mec hein. Vous êtes venu voler ma cam? Non, pas du tout, non. Putain, qu'est-ce que vous avez fait de nos amis, des zombies? Ok. On se donne une petite fête, ok. Je vais monter hein, si ça. Ouais, bouteille vide. Ah, bah oui, forcément, à côté d'un alcoolique, c'est plutôt logique. Okay, merde, qu'est-ce que je peux jeter moi? Tube évasé, allez hop. De toute façon, ça m'intéresse pas. Tube évasé, donc bouteille vide. J'ai besoin de toi, moi. Faut que t'arrêtes d'être sous. Arrête tout de suite. Arrête tout de suite d'être sous. Allez hop. Non. Mais venez ici, j'ai pas toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez? Pilote? Ouais, je suis un pilote. Ah putain, le putain de meilleur. Et ici, bah oui, forcément. C'est interdit de vol, ça m'empêche pas de voler. Les autorités disent que le whisky et les avions ne font pas bon ménage. C'est des conneries. Ils étaient jaloux, c'est vrai. Même les oiseaux étaient jaloux. Parce que j'étais le meilleur. Si vous avez besoin du roi, vous allez devoir payer. Pas qu'un peu. Allez, un whisky et une pute. J'ai dû atterrir ici quand mon avion avait des difficultés techniques. L'air et les oiseaux m'ont bien indiqué. Ok. Ma cargaison est tombée de l'avion et s'est éparpillée un peu partout sur les îles. Vous y croyez à cette merde? Super. C'est pour ça que je suis coincé ici. Je ne peux pas décoller sans ma cargaison, mais si quelqu'un chargeait ma cargaison sur votre avion, ça me donnerait envie de débarquer, de me barrer d'ici. Oh putain, c'est une blague. 20 paquets. Tu peux pas monter? Non, tu peux pas monter. D'accord. Mais ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va ouvrir cette putain de porte. Et on va s'y enfermer. Non, limonade. D'accord. Je voulais pas du tout faire ça. Fermé. Voilà. Dégage. Dégage. Voilà. Parce que j'ai besoin de dormir. Et puis de toute façon, avec la puissance de feu que j'ai maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Dégage. Ah ouais, quand même. Il y a des bestioles qui sortent de là, quoi. C'est n'importe quoi. Dégage. Oh, une trousse de soin, tiens. Dégage. Dégage. Aïe. Dégage. 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 Barre-toi. Dégage. Ça devient compliqué là. J'ai de quoi me soigner, non? Ouais, j'ai de quoi me soigner. Ok. Alors là, ça va devenir compliqué. On va essayer de les faire exploser comme ils avaient explosé l'autre fois. Allons, tube. J'ai pas de place de toute façon. Allez, explosez. Ça serait cool. Bon, sinon, à la limite. Voilà. C'est limite. Voilà. C'est génial. C'est génial. Et l'autre, il s'en fout, il boit. C'est super. Alors, ouvrir, hop là. Récupérer les munitions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Morceau de tissu. Munitions, en dehors de tout ça, il n'y a que si peu d'objets. La bonne blague. Bon allez, ferme ça et on dort. Ok. Tap tap tap. Ok. Bon. Allez, dors, c'est bien. Au moins la nuit passe comme ça. Et ça, c'est cool. L'autre, il s'en fout. Il boit toujours. Bon, alors. Oh putain. C'est une blague. Oh là 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 là.
Alors, il me faut une place dans mon inventaire en plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner ça à ça. Combiner ça pour faire un molotov. Qui est où d'ailleurs? Qui est ici? Je vais combiner ça à ça. Et ça. À ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai deux slots de libre. Et ben, c'est parti. Hein. On va en ramasser quelques-uns cette fois-ci. Pas tout parce que on n'aura pas le temps. Est-ce que je peux descendre par ici? Je ne peux pas descendre par ici, c'est dommage, ça aurait été sympa. Ça aurait été pratique. Non, il n'y a rien. Ça aurait été sympa de pouvoir éviter le grand tour. Mais bon. Oui, par contre, mon jerrycan ici. Hop là. Il y a un autre jerrycan, je vais toujours le prendre. Ici, ainsi qu'une bouteille vide. La bouteille vide. Ouais, non, on verra bien. Donc, je vais remplir le jerrycan. Hop, hop, hop. C'est pas du luxe. C'est quoi ce gros bruit là? Allez, 20x. 20 fois. Enfin, c'était pas mal. Hop là, allez. Le gros bruit que j'entends me rassure pas du tout en fait. Je crois que c'est encore un gros. Hein. Oh putain, ouais, c'est encore un gros. Fais chier. Par contre, avec la puissance de feu que j'ai maintenant. Ah, on est dans la merde, hein. On a l'air bien bête, hein, maintenant. Dégage-toi. Oh, punaise. Vive les bugs. Je peux tirer au travers. On va pas se prendre la tête, hein. On va rester ici. J'ai pas envie de risquer quoi que ce soit, de toute façon. D'accord, tu peux monter. C'est pas prévu au programme. Oh putain! D'accord, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'il reste un corps et qu'il peut les lancer. Toi, tu dégages. Ok. C'était quoi? Les munitions, d'accord. Toi, tu me fous la paix. Wouhou! Oh punaise! Bonjour vous! Ouch! Ça fait mal, tiens ça. Waouh! Dégage toi! Toi aussi dégage! Hé, hey, je t'ai buté! Oh! Non, 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 non! Je te voyais venir, toi! Petit con, va! Non! Les munitions, je prends! Hop là. Bon, de toute façon, je vais l'avoir sans gros gros soucis. Oula. Je ne sais pas ce qu'il heurte, mais c'est un peu n'importe quoi. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Et il va encore me donner un molotov, je suppose. Oui. Un molotov.